Good morning, Aleiden. Tu seras aujourd'hui le Nishmat Amram Yona ben Chana, Shalom ben Chbiba, Armand Amram ben Sulika, Peggy Batester, Zabat Mazatu Sportish, Michael Novikov, aussi le Fouad Rout, Bat Kolodin Train, Asimra Bat Mazatu Butor, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet et Douyot, Perek Alef, Mishnah Vav, Amar Rabbi Yehuda, Imken, Lama Maskirin Divra Yachid ben Amerubin, Levatala. שאם יאמר האדם כך אני מקובל, יאמר לו כדברי איש פלוני שמעת. On traduit, et après on explique, vous allez comprendre directement. Dès qu'on va traduire ce qui se souvient de la Mishnah précédente, on comprend, voir ici un certain problème, et on va tout expliquer, Bezrat Hashem. Rabbi Yehuda dit, Imken, s'il en est ainsi, donc il se rapporte sur la Mishnah précédente, Lama mazkirin divrei hayachid ben amerubin levatala. Pourquoi mentionne-t-on les paroles du particulier au milieu des paroles, c'est-à-dire parmi les paroles du rov, de la majorité, les mérubines, ceux qui sont nombreux, les vatala, alors que ça ne sert à rien? C'est un mot un petit peu bizarre, un mot-clé en fait, qui va nous aider à comprendre la différence qu'il y a dans cette Mishnah par rapport à la Mishnah précédente. Je prépare le terme en fait. En tout cas, apparemment, Rabbi Yehuda semble poser la même question que la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente, on s'intéressait à savoir... On a une règle qui nous dit « Yachid ve-rabim, alacha ke-rabim ». La minorité contre la majorité, ou le particulier contre la majorité, les grands nombres, alors la Torah me dit « Achare rabim la-tot », tu vas selon la voie de la majorité. C'est une grande règle, à la fois dans les batedinim, même dans les poskim, lorsqu'il y a une discussion, que la majeure partie des poskim, des décisionnaires, interdisent une chose, alors on ne va pas la permettre parce qu'il y a un rav qui va permettre. D'accord? De manière générale. Alors, selon ce principe, la Mishnah précédente déjà soulevait une question. Alors, pourquoi mentionne-t-on, malgré tout, dans la Mishnah, la Mishnah était rédigée de manière à ce que des fois on rencontre l'avis du particulier contre la majorité? Il y avait une certaine réponse qu'on reprendra après dans la Mishnah. Rabbi Yehuda, vraisemblablement, vient poser la même question et la répond autrement. D'accord? Donc c'est ça la question. Imken la mamaskir diva yachid ben amerubin. Pourquoi on mentionne le particulier au milieu du nombre, des nombreux? Ouais, la majorité, le particulier au milieu parmi la majorité. Il n'y avait pas d'intérêt. Et il rajoute donc un mot bizarre qui nous dit « levatala », alors qu'il n'y avait pas d'intérêt. Ça va être le mot-clé, donc, comme ce qu'on a dit, qui va nous aider à expliquer la différence de cette Mishnah par rapport à la Mishnah précédente. « Shim yomar adam kachanim ekubal » Pourquoi, donc, concrètement, pourquoi, quand tu me rapportes une discussion, il y a « chachamim » et « ravi » Yehuda, Rabbi Meir, qui dit quelque chose contre tout le monde, quel est l'intérêt de me rapporter cet avis du particulier? Réponse, Shim Yomar Adam Kachani Mekubal, que si quelqu'un vient et va nous dire Kachani Mekubal, moi j'ai une transmission de faire les choses de cette manière, Yomar Lo, on pourra lui rétorquer, lui dire très bien, Kedivreish Ploni Shamata, ce que tu le fais selon l'avis de un tel. Soit. D'abord on explique de manière simple, et puis après on va distinguer cette Mishnah de la précédente. Rabbi Yudavin pose une question, il nous dit, il y a une grande règle, on va selon la voie de la majorité. Quel est l'intérêt dans la Mishnah de me mentionner l'avis de Rabbi Meir qui a permis une telle chose alors que tout le monde interdit et que la halakha est tranchée d'interdire contre Rabbi Meir? Donc quel était l'intérêt de mentionner Rabbi Meir? Eh bien Rabbi Yehuda vient et me dit, tu sais pourquoi? C'est très simple. Comme ça, si toutefois il va y avoir un juif qui va venir de, je ne sais pas où, du Yémen et qui va me dire, mais nous... On a toujours fait comme ça. On a une transmission claire de nos ancêtres jusqu'à... Je ne sais pas jusqu'où. On a une transmission claire. Tout le monde fait comme ça dans ma ville. Alors, si tout le monde fait comme... Si moi j'ai une transmission, c'est clair. Si j'ai une transmission nette de la Torah, je ne vais pas me mettre à me soucier des candidat-on que les autres vont voir que je fais quelque chose que ça ne leur plaît pas, qui n'est pas juste selon eux leur transmission. Moi aussi j'ai ma transmission de la Torah. J'ai mon rav qui m'a transmis la Torah. Et mon rave à son rave à son rave jusqu'à Moshe Rabbeinu. Alors on aurait pu croire que dans ce cas-là, ce particulier qui vient avec une halakha différente de tout le monde, qui pourra continuer à l'appliquer, et ce sens, on va lui dire non, chez Yomar, Adam, Kachani, Mekubal, que si quelqu'un va dire j'ai une transmission ainsi, de la sorte, Yomar, lo, on pourra lui rétorquer c'est vrai, on n'a pas de doute, on sait que ce que tu dis c'est un avis qui existe. Mais c'est un avis de la minorité et on doit suivre la majorité. Donc plie-toi à ce que l'on veut faire. Si on avait dans la Mishnah, on ne mentionnait pas l'avis, donc pour continuer son exemple, de Rabbi Meir qui permet, donc tout le monde dit que c'est interdit, et lui il vient et dit, mais moi j'ai une transmission claire que c'est permis, donc je fais. Sur ce sens, on va lui dire, non, 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 non. Sache que
il y a effectivement un avis qui permet, mais cet avis-là, au moins, on ne le suit pas. D'accord ? Ça évite d'avoir un dialogue de sourds. Au lieu que nous, on vienne comme des... On lui tombe comme des brutes en lui disant « Non, c'est un sourd !» Et il va nous dire « Mais non, c'est permis !» On va pouvoir lui dire « Non, sache que il y a des avis qui permettent, il y a un certain avis qui permettent, mais ce n'est pas un avis qu'on suit. » Ok ? Maintenant, on revient un petit peu en arrière sur la Mishnah précédente qui posait la même question et qui répondait autrement. Apparemment, et le problème, ça va être de comprendre quelle est la différence entre cette Mishnah et la Mishnah précédente. Est-ce qu'il y a ici une discussion ou est-ce qu'au contraire, ça se complémente, ça se complète ? C'est dit complémenté, ouais, pourquoi pas. D'accord. Il y avait comme ça, donc, la Mishnah précédente, on posait de nouveau la même question, en avançant une autre réponse. On posait la question, quel était l'intérêt d'avancer l'avis du particulier, alors que la majorité interdisait ? Et sur ça, on répondait en disant, non, parce que, sache que si, d'ici 40 ans, 50 ans, il va y avoir un Bet Din qui va s'asseoir et réfléchir sur le sujet de Halakha, qu'on a tranché, que pour le moment on pensait comme l'avis de la majorité, et ce Bedin va être plus grand, Bechorma ou Beminyan, il va être plus aiguisé dans la Torah, et il va avoir en plus de ça plus de Talmidim, donc ça va être un Bedin très important, et qui va finalement décider de retenir l'avis du Yachid, l'avis du particulier de la génération précédente. Ouais, si on veut illustrer ça, imaginez, il y avait à l'époque, ça lui correspondait tout à fait, le Chazon Ish, lui, c'est le Rav, qui étudiait en pénétrant des profondeurs de Gemara comme rares l'ont fait. Un mal, il approfondissait en oubliant tout ce qui se passe autour de lui, il plongeait dans la Gemara et il rapportait de la halakhot. Ça arrive des fois qu'on va avoir de la halakhot du Chazon Ish qui va être contre tout le monde. Mais lui, il est sûr de son coup. Ouais. Donc il y a le Chazon Ish maintenant, malgré tout, à l'époque du Chazon Ish, la plupart des communautés juives, on n'a pas retenu les psakim du Chazon Ish, avec les tailles du Chazon Ish. On ne mange pas des kazetim du Chazon Ish toujours. Si on réussit à le faire, pourquoi pas, mais de manière générale, on n'a pas pris le Chazon Ish en tant que maître. Même s'il avançait des halakhot qui étaient bien nettes. Il y a certes, il faut savoir, il y a des groupes de Bnei Brak, des Chazonish Nikim, ça s'appelle, qui vont suivre le Chazon Ish dans les moindres détails. C'est leur rave. Et ils ont bien sûr sur qui s'appuyer. En tout cas, nous, en général, de manière générale, pour les Sfaradim, par exemple, ou même la plupart des Ashkenazim aussi, ils n'ont pas suivi les psakim du Chazon Ish. Imaginez maintenant qu'après 50 ans, on va se retrouver avec un Bedin bien important, Beminyan, il va s'installer, il va dire, mais le Chazon Ish, il avait entièrement raison quand il a dit cette halakha. On va trancher qu'à partir de maintenant, on va être au serre, alors que tout le monde permettait contre le Chazon Ish. Eh bien, on va tous être pliés, désormais à suivre cette nouvelle halakha du Chazon Ish. La Mishnah précédente nous enseignait que, donc si je reviens maintenant sur la Mishnah, on te disait l'avis du Yachid, parce que peut-être qu'un jour il va y avoir un Bet Din très important, qui va analyser à sa manière la sugya, le sujet, et trancher ce qu'il va vouloir trancher, comme l'avis du particulier, donc c'est pour ça qu'il a fallu le mentionner dans la Mishnah. Ça c'était la Mishnah précédente. Maintenant, Rabbi Yehuda vient et pose de nouveau apparemment la même question, mais en réalité c'est pas la même question, et c'est le Tosot Yom Tov qui explique ça longuement, dans le petit mot Levatala. Il faut savoir que malgré tout, il y a des choses que l'on ne peut plus modifier, même si lorsqu'on va se retrouver dans un Bet Din plus important en quantité et en qualité. Qui sont... Alors, tout ce temps-là, dira, non, j'y rapporte deux cas, selon le Rambam, selon le Ravad, selon le Rambam, par exemple, ça va être, si c'est Pashat Issouran, Bekol Eret Israël, un Issour que maintenant tout le monde a pris sur soi de l'interdire. Alors maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on ne pourra revenir dessus et le permettre, étant donné que, concrètement, c'est une halakha qui s'est diffusée, que tout le monde s'est mis à l'appliquer. On ne va plus pouvoir la discuter. Il y a plusieurs problèmes d'être l'oeg. C'est comme si mes ancêtres ne faisaient pas une chose, et puis moi je fais le contraire, et je vais me permettre de la faire. Alors quelque part, je vais me prendre pour plus racham que mes ancêtres. Il y a ici, en cela, quelque chose de méprisant pour la transmission de la Torah, on le fait. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait. Ça, c'est selon le Rambam. Quelque chose qui a été reçu dans tout Israël, qu'on le fait ou qu'on ne fait pas, il n'y aura pas de nouveau Bedin qui va pouvoir venir. C'est-à-dire, finalement, il y a des halakhot, certes, qu'on pourra rediscuter, et d'autres halakhot qu'on ne pourra pas rediscuter. D'accord ? Selon le Rambam, donc, on a un cas. Il y a selon le Ravad encore, c'est s'il s'agissait plutôt d'un décret particulier que le Bedin précédent a vu d'interdire, dans certaines conditions, on ne pourra plus le rectifier. Alors sur ça, maintenant, on vient Rabbi Yehuda et nous dit, mais la raison que tu as avancé dans la Mishnah précédente, que tu as voulu laisser une porte ouverte
pour le bedin qui voudra rediscuter, n'est pas vérifié dans toutes les conditions, dans toutes les situations, parce qu'il y a certaines halakhot qu'on ne pourra plus réviser et rectifier. Alors quel était l'intérêt dans ce cas-là, pour ces halakhot-là spécifiquement, de mentionner l'avis du particulier dans la Mishnah? Ouais, c'est ça le petit mot, levatala, pour rien. Soit, si on lit la phrase, ça fait comme ça, il pose la question comme ça. Imken, s'il en est ainsi que la seule raison pour laquelle on mentionne l'avis du particulier, c'est que pour que l'on puisse réviser le psak plus tard, si on aura un bedin plus important. Si on en est ainsi que c'est la seule raison, pourquoi dans ce cas-là, la mamas kirindivra erid ben amerubin levatala, pourquoi on va mentionner l'avis du particulier face au rov, à la majorité, alors que c'est un sujet levatala qui servira plus à rien, qu'on ne pourra plus remodifier? Et sur ça, il nous répond que malgré tout, on a voulu le mentionner de manière à ce que si quelqu'un vient et va dire, moi j'ai une transmission contre ce que vous faites, et donc moi je me fonde sur ce que j'ai, on va lui dire non, ta transmission elle vient parce que apparemment le rave de ta ville il était disciple de tel rave qui permettait, mais sache que malgré tout aujourd'hui tu viens dans notre ville, t'es obligé de te plier à nous, parce qu'il y avait effectivement une discussion, chose qu'on n'aurait pas eu. D'accord, on a fini la Mishnah. Si déjà on a une Mishnah courte, on n'a qu'à faire vite fait le Vartanora. La Mamaskrin, le Vartanora, il est assez complexe en fait, parce qu'il rajoute Tosodium Tov rallonge beaucoup pour expliquer. Il y a un petit problème de lecture dans le Martinois. On va essayer de faire comme si que tout va très bien. La Mamaskrin d'Ibrahim, le Ben Amirubin Kedele Vatelan. Quel est l'intérêt de mentionner les paroles du particulier au milieu de la majorité Kedele Vatelan, alors que de toute façon. Je ne sais pas comment traduire ce mot. C'est un mot pas clair. Comme le Tosodium Tov l'explique. Yachid Shelo Asa. Alors il nous explique les questions en tout cas. Yachid Shelo Asa Shum Beddin Kidvarav. S'il y a un particulier que aucun Beddin. Il interprète la question un petit peu différemment en fait. Si il y a un particulier que aucun beddin ne peut tolérer ce qu'il va dire, ven truin ou betelin, est-ce que ces paroles qu'il a dit ne peuvent être que annulées et repoussées, truin litrot repoussées et betelin annulées. Dans ce cas-là, la mamaskirin otan klal, quel est l'intérêt de le rapporter cet avis du particulier? On meshane et on répond sheim yomar adam kachani mekubal veitmak sheroe. Que s'il vient quelqu'un et va nous dire, moi j'ai une transmission de faire de la sorte, il va s'étonner que personne ne fait comme sa transmission. Il va dire, mais il y a un problème, c'est faux ce que vous faites. Moi ce que je dis, c'est sûr qu'il faut faire comme ça. Pourquoi vous acceptez pas mes paroles? J'ai une transmission de mon rave et de son rave jusqu'à Moshe Rabbeinu, puisque initialement, quand la Torah était bien transmise, on n'avait aucun doute que c'était que tout ce qu'un rave disait, c'était une transmission depuis Moshe Rabbeinu. Alors sur ça, Yom Roulo, on pourra lui rétorquer en lui disant « Kedivrish ploni shamata venitru dvarav » Sache qu'on sait exactement te trouver une case à toi, en te disant que ce que tu fais selon l'avis d'un tel, mais ces paroles ont été repoussées pour la halakha, et on a fini la Mishnah, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une réplande d'Hatzlacha, kol tov u'salam.